En partant d'un t-shirt blanc basique, je commence par découper les manches. Je viens ensuite découper le devant de mon col. Je retourne mon t-shirt blanc qui est maintenant devenu un débardeur et je viens tracer un U que je vais venir découper. Et voilà, rien de plus simple, on va maintenant passer au motif que j'ai ajouté sur le devant de mon t-shirt. Pour la première étape, je commence par imprimer le motif que je souhaite. Je place ma feuille sur un carton pour éviter d'abîmer mon support et je viens découper l'intérieur des lettres avec un cutter. Je découpe chaque lettre, ou presque, en fonction de l'emplacement que je leur donnerai sur le t-shirt. Puis je vais placer un carton à l'intérieur de mon t-shirt pour éviter que la peinture ne déborde sur le dos de mon t-shirt, c'est très important. Et je viens positionner mes mots, mes lettres, à l'emplacement que je souhaite, sur le devant de mon t-shirt. Je choisis cette fois d'appliquer de la peinture acrylique, vous pouvez très bien choisir de la peinture à tissu, ça fonctionne très bien. Et je viens avec mon pinceau tapoter à l'intérieur de mon pochoir. Vous pouvez très bien utiliser aussi une éponge, c'est très pratique. Après, tout dépend de l'aspect que vous souhaitez apporter à votre design. Je laisse sécher pendant environ 2 bonnes heures pour être sûr que ce soit bien sec. Et je viens retirer mon pochoir. J'applique un torchon sur mon design et je viens repasser pour que ça puisse fixer la peinture. Et voilà,